fois sur la musique que je trouve toujours aussi excellent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix du Japon sur cette fois-ci le jeu Formule 97 où je pense qu'en général ça se passe mieux que sur la version PS3, mais bon. Allez, on va lancer la séance de qualification. Alors j'ai essayé de devoir pas trop d'aileron, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'il faut quand même des bonnes courbes, donc je sais pas trop quoi faire, je suis resté à 50 d'aileron. Potentiellement, on va tester, on va voir, hein. Je sais pas si ça va vraiment marcher. On va faire démarrer la session. Et si je vois que c'est vraiment la mort, on baissera. Enfin, on remontera les ailerons. Par exemple, le 130R, je ne peux pas le prendre à fond, je suis obligé de lâcher légèrement. Les premières courses sont assez compliquées. Donc peut-être que ça sera suffisant, mais bon, je vous l'ai dit, je suis obligé de rattraper la faible vitesse de pointe de la Tyrell par des ailerons moins, mais elle a aussi un des pires grips, donc voilà. On va tester un peu. Ah, je crois qu'il y a eu un problème. Oula, ça vibre. Ça vibre. C'est parti. On est parti. Allez, go. Petit bug graphique. Allez, la chicane. La chicane. Donc, alors je vais faire un petit arrêt sur image à un moment, faut pas que j'oublie. Parce que j'ai vraiment remarqué quelque chose. Souvenez-vous, Québec 2002, sur le circuit du Canada. Eh ben, il y en a un pareil aussi au Japon. Vous allez voir, je vais vous faire un petit stop au moment où on va voir le sponsoring. C'est une petite découverte, j'ai jamais fait gaffe. Je sais plus exactement où ça se trouve, je crois que c'est vers là. Ah voilà, la partie partie gauche. Si je dis pas de bêtises. Bon, de toute façon c'est premier tour, donc c'est pas l'endroit. Voilà, regardez. World Cup Japan 2002. Alors c'est pas le logo, le vrai logo officiel, mais en 97, voilà, il y avait évidemment les votes pour les prochaines Coupes du Monde de football, et bah là on a la World Cup Japan 2002. Alors bon, ils vont le faire avec la Corée, hein, tout le monde le sait, mais bon voilà, j'avais pas fait gaffe qu'il l'avait mis dans le jeu. Allez, c'est parti, on va pouvoir se reconcentrer. Voilà, c'est la petite anecdote qu'on nous avait fait pour le Québec, les Jeux Olympiques, hein, je précise. Voilà. Donc c'est parti. Cette année, toutes les écuries ont abaissé le baquet des pilotes pour éviter que la turbulence due à leur casque réduise l'efficacité de la prise d'air moteur. Un autre avantage qu'elles espèrent constater est une meilleure tenue de route due à un centre de gravité plus bas. Bon, voilà, c'est typiquement les courbes où je vais avoir du mal parce que comme j'ai pas beaucoup de grip, voilà, je suis obligé d'avoir une bonne vitesse de pointe aussi. Enfin, c'est vraiment pas facile, hein, avec une Tyrell, honnêtement, en mode difficile, enfin en mode le plus difficile du jeu. Et là, si je vais à fond, voilà, ça passe pas. Hein. Je suis obligé de lâcher. Donc j'hésite à remettre un poil d'aileron pour pouvoir prendre à fond certaines parties. Il rétrograde en seconde. Mais je vais perdre la vitesse de pointe globale, donc je sais pas trop. Seconde. Troisième vitesse. Il passe la cinquième. Cinquième vitesse. À mon avis, ça va être vraiment compliqué. 1.39. Bon, je vais faire un deuxième tour. On va voir si ça tient le coup ou pas. J'ai vraiment du mal. Dans le premier secteur. Bon, j'ai augmenté un peu le son du jeu qui était un peu faible et c'est celui de ma voix. Je pense que 2-3 vidéos vous en êtes rendu compte. Ça a saturé à un moment, là ça sature quasiment plus, donc je pense que c'est plus agréable à suivre pour vous. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tronçon. Alors on parle que mon temps personnel, bien sûr, hein, parce que dès qu'on va passer au temps de Villeneuve, au Frenzen ou autre, à mon avis, il va être bien meilleur le temps. Et voilà, je suis loupé. Ouais, j'ai bien envie de passer à 60 d'aileron. Il fait apparemment un excellent tour en ce moment. Il est en avance au deuxième intermédiaire. Ouais, je fais mieux, mais bon, je prends 3 secondes au Schumacher, quoi.
Ok, vraiment, vraiment un gap à récupérer. Et là, ça n'a pas marché. Bon, je tente un dernier tour, et puis après, on fera peut-être un changement de setting. Secondes de retard. Je peux faire beaucoup mieux, hein. Je pense que je peux être à 3 secondes, peut-être 3-4 secondes de Schumacher. Mais bon. Il passe la quatrième. Il passe la cinquième. Il passe la sixième. Sixième. Cinquième vitesse. Troisième vitesse. Il rétrograde en premier. Le freinage est assez compliqué. Son chrono s'améliore sur le premier tronçon, mais il ne va toujours pas aussi vite que le plus rapide des qualifiés. Ça, c'était logique. Amélioration en premier. Je pense que je peux faire mieux dans le deuxième aussi. Ah, j'ai réussi à pas mal accélérer là, ça me fait gagner du temps. Alors, pas forcément sur l'IA, mais en tout cas sur mon propre chrono. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il améliore ses performances personnelles, mais reste encore derrière le leader des qualifications. Je pense qu'on va faire un bon chrono là. Exceptionnel! C'est un excellent tour. Ah ouais, merci. Alors le problème c'est que je peux faire que fin de qualification. Ah, je peux même pas aller au stand. Bon, c'est dommage. Mais bon, en deuxième temps, on va fin de qualification. Demain, revenir à la conversion de la voiture. Ouais, je suis content. J'ai réussi à faire une bonne sortie, je crois que c'est dans Spoon. Et du coup, j'ai pas mal de vitesse. Donc 50%, ça peut tenir, mais j'hésite quand même à gagner peut-être, à reprendre peut-être 2-3%. Je vais rajouter un peu de grip. Bah, par contre, je vais vite masquer. Je vais essayer de masquer, je vais fermer les yeux. Je sais pas combien je suis. C'est bon. Configuration de la voiture. Alors. Je vais monter un tout petit peu. Voilà la mer. Et on va passer donc à la course. Je ne sais pas, vous l'avez sûrement vu, je ne sais pas combien je vais partir sur la grille, parce que peut-être que les IA évidemment ont amélioré entre temps. Bienvenue à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Les supporters, toujours enthousiastes de ce pays, et les pilotes semblent tous apprécier ce circuit qui, l'an dernier, fut le point fort de la saison lorsque la bataille pour la suprématie a été réglée entre Damon Hill et son jeune équipier. Avec une excellente variété de virages, ce circuit donne aux pilotes l'occasion de se montrer sous leur meilleur jour, à l'exception peut-être de la dernière chicane qui est toujours leur bête noire. Ok, on est 13ème, donc bon, j'ai vu les temps, effectivement je savais que j'avais un peu plongé, mais finalement 13ème c'est pas mal, c'est mieux une grille, et Verstappen qui fait moins bien, 37, donc bonne qualification. J'espère que cette fois-ci ça va passer. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Ah voilà, c'était un tremblement de terre. Ah non, les fourgons, ah, c'est bon, ça s'est remplacé. Et c'est parti, c'est parti. Ah, j'ai essayé pas trop de faire griller au départ. Il décolle de la grille vers le premier virage. Il se fait doubler par Larini. Il vient de heurter Johnny Herbert. Ah, bah pourtant j'ai à peine touché. Hein. J'ai pas insisté. Remarquable, c'est exactement le genre de départ qu'il aurait souhaité. On va voir un peu ce que ça peut donner dans la partie lente, avec un petit peu plus d'aileron. En tout cas, il y a un gap qui s'est créé dès le début. On va essayer de revenir sur le groupe devant, je pense que c'est faisable. Ouais, gros freinage, accélération moyenne, mais c'est bon, juste derrière. Il vient de heurter Johnny Herbert. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'ailerons par contre par rapport à moi.
C'est rare d'avoir autant de vitesse de pointe. Les deux voitures se sont couchées, c'est sûr. Ouh, attention avec la McLaren. Bonne accélération, on reste derrière lui. Et on passe. Ah ouais, c'est bon là, c'est bon. J'ai pas beaucoup d'ailerons par rapport à eux apparemment. Oh, c'est bon ça. Ah mais j'ai loupé mon virage. Je pense qu'à l'intérieur ça peut passer. On y va. Concentrer sur deux choses. Non. Essayer de doubler la voiture de devant et tenir la voiture de derrière à distance. Ah, ils ont l'air d'avoir les ailerons ultra braqués. Oh, c'est la première fois que j'arrive à dépasser aussi facilement les voitures devant moi. C'est le deuxième tour de la course. Ouais, ça c'est le bon ça. Le pilote qui le précède va commencer à s'inquiéter après avoir fait connaissance du temps auto de son adversaire. Ah, j'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Je voulais freiner très fort dans ce virage. Il recule un peu. Ouais, ça c'est normal. Berger qui est juste là. Classement de la course, Michael Schumacher. Williams numéro 1. Jean Alesi, Eddie Irvine. C'est bien compliqué de les rattraper, mais je pense qu'on peut le faire. Il va falloir pas faire beaucoup de bêtises. Il se trouve juste derrière lui maintenant. Je l'ai pas tenté à fond, mais je pense que j'aurais peut-être dû. Nous voilà dans le troisième tour. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. Après ça reste une Benetton quand même. C'est un peu exagéré au début, mais on les a recollés, c'est déjà la bonne nouvelle. On reste à distance quand même raisonnable, hein, on n'est pas loin. Je pense que peut-être en fin de tour, j'ai pas peut-être pour le dépasser. Ah, j'ai réussi à bien accélérer. Ah, ça reste une Benetton quand même. Hein. C'est formidable. Il attaque sur tous les fronts pour essayer formidable. De passer. Allez, au freinage, on va le piquer. À la 7ème place, Mika Salo. Yes. Il a dû passer. Il tient absolument à conserver cette place par tous les moyens, car cela signifie prendre des points importants au championnat. Exactement. Et en plus, le groupe devant, c'est pas éloigné, donc ça, c'est le très bien. Le pilote qui le précède va commencer à s'inquiéter après avoir pris connaissance du temps auto de son adversaire. Alors, avant de faire la course, bien sûr, le Japon, j'avais souvenir que c'était pas si évident le fait de me prendre avant ou pas. J'avais plus trop souvenir. Et là, bah, finalement, c'est plutôt faisable. Alors j'ai plus vite, et malgré ce, j'ai quand même un bon grip. Alors, on a recollé. Je sais pas qui est deuxième par contre, parce que je me rends un peu plus devant. Bon, je vais patienter. Voilà, on accélère, on essaie de prendre l'inspiration maintenant.
J'ai pas pu garder la vitesse au max, mais bon. Incroyable! Il vient de heurter Frenzen! Allez, l'aspiration. Ah, il va avoir l'aspiration aussi. De la course. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. Voilà, je vais être un peu plus en difficulté. Classement de la course. Michael Schumacher. Williams, numéro 1. Jean Alesi. Eddie Irvine. Il recule un peu. Il se trouve juste derrière lui maintenant. Allez, je pense que ça pourrait le faire. J'ai raté. Ah bah non, j'ai perdu la vitesse, c'est pas bon. Qui n'a rien? Ah non, c'est Berger. Il recule un peu. Oh, j'ai raté. Ouais, là par contre j'ai fait une grosse... Ouais, j'ai pas eu trop de temps là. Ouf. Faut absolument que je recolle. Bon, à chicane, je suis plus rapide qu'eux, donc avec un peu de chance, je peux revenir. Ouais, par contre le 130R je pense que je peux le prendre à fond, mais ça va vraiment être difficile. Mais si j'arrive à le prendre à fond, ouais, je vais gagner énormément de temps. Il s'en tire extraordinairement bien malgré son manque d'expérience. Et l'écart se comble. J'ai fait un bon premier secteur. Allez, faut pas faire de bêtises cette fois-ci. Il reste quelques tours, on a encore de la marge. Alors, le problème que j'ai, c'est que la Williams, c'est l'aspiration devant. Il se trouve juste derrière lui maintenant. Je pense que ça passe. Eh non, ça passe pas. J'ai dû relâcher. Je pense que j'ai pris la courbe un peu trop tard. Et je raccélère mieux. L'aspiration. Faut que je me décale maintenant. Ouais, c'est bon. Ah, incroyable. Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le possède. Réussi. Ouf, je suis resté à l'intérieur cette fois-ci. En cinquième position maintenant. On s'est fait un Mansell Senna Espagne 91, je crois, ou 92, je sais plus. Avec les petites étincelles à la fin. Ouais, ça c'est bien. Bon, la première place on va oublier parce que le chemin est trop long. Par contre la deuxième elle est peut-être encore faisable. Bon, j'ai pas forcément bien accéléré par contre. La distance s'accroît. Ah, respiration, ça c'est sûr. Oh, j'ai réussi à prendre à fond. Yes, yes. À dure épreuve. Oh, l'intérieur. Michael Schumacher. Ça touche légèrement, tout le monde a l'aspiration. Eddie Irvine. Jean Alesi.
Ah ouais, par contre, là je sature. Il reste 3 tours jusqu'à la fin de la course maintenant. Ça y est, il comble l'écart. Ah bah là non. Alors honnêtement, c'était pas voulu. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, il s'est rabattu. Et j'ai vraiment pas eu le temps. Je crois qu'il était gêné par la Ferrari, du coup il s'est rabattu. Ah, il s'est rabattu. Bon, on va pas se plaindre, on est quatrième, mais c'était pas vraiment très joli. Allez, on va essayer maintenant de revenir sur Irvine. Je pense que c'est. Oui, ça doit être Villeneuve. Irvine qui avait fait à l'époque le dépassement du siècle dans le premier secteur en doublant deux voitures à l'extérieur et notamment je crois que c'était Villeneuve et Schumacher. Allez, il nous reste 3 tours à faire, enfin, presque moins de 3 tours. 2 tours et demi. Oh, je me suis loupé. Ah, j'ai raté. Tout n'est pas perdu. Il recule un peu. Alors 23 secondes, ça va être compliqué à aller chercher là par contre. J'ai réussi à le reprendre à fond, je pense que j'ai un peu compris comment faire. Ce qui est bien, c'est qu'ils se battent entre eux, donc du coup ils perdent un peu de temps. Il ne reste que 2 tours pour décider de l'issue de cette course. Je crois qu'Irvine est passé. Non, il est toujours derrière. Attends, la Ferrari a la meilleure vitesse de pointe du jeu. Je dis bien du jeu, hein, parce qu'en vrai, elle était rapide, mais je crois pas que ce soit la meilleure en 97. C'était pas la meilleure, d'ailleurs la Benetton en 97 qui avait la meilleure VMAX. Ou la McLaren, je sais plus. Allez, on se rapproche, il va nous rester 2 tours. Bon, ça va être compliqué quand même, faut pas déconner, mais bon, on se rapproche. Un petit podium, ça serait vraiment plaisant. Bon, déjà les points, je suis content. Mais alors la 3ème place ou 2ème, ça serait vraiment le. C'est vraiment bien. Ça a été bien pris. Un point neuf. Il réduit l'écart. Je l'ai pas pris à fond, mais je l'ai quand même bien négocié. Allez. Wow, attention. Dernier tour. Et maintenant, il attaque son dernier tour. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. C'est pas la partie où je suis plus rapide ici. Donc on va juste contenter de les suivre. Ah, je savais que j'allais être un peu large. Je fais ce que je peux, mais ça va être difficile. On est vraiment. Enfin, on n'est pas trop loin encore. Mais... J'aurais que ça va pas trop mal ici. Placement de la course, Michael Schumacher. Williams, numéro 1. Eddie Irvine, Mika Salo. Non, je n'ai pas l'aspiration. Quoique. En tout cas, je m'en rapproche. Il se trouve juste derrière lui maintenant. Oh, j'ai réussi à prendre. Oh, j'ai plongé à l'intérieur. C'est une victoire pour Michael Schumacher. Le résultat de Ferrari va transporter de joie les tifosi. Il est passé en 3ème position. Allez, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Oui. Ouf. Ah ouais, le petit intérieur à la chicane en accélération là, bon faire ça dans l'herbe mais...
Yes! Bon, je pensais vraiment finir en quatrième, parce que j'étais loin. Mais ils ont perdu du temps en fait dans le 130 heures, du coup, bah, on a pu revenir. Ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, Schumacher nous a mis une mine, je pense. Il doit être au moins à 15 secondes d'avance. Ou 10. Ah, ça fait plaisir. À 13 secondes. C'était l'entre-deux. Alors du coup, Schumacher, Mika Salo, Villeneuve, Irvine, Frentzen, allez-y. On a le meilleur tour en course quand même. On a fait une 34-0. Ça veut dire que... Je crois qu'on a fait le même temps qu'en qualif, c'est possible. Je me souviens plus. Alors au classement, pilote. Bon, évidemment le titre, c'est mort depuis longtemps. En revanche, on est revenu un peu sur Alési. Du coup, à un point. Je repense encore au point perdu deux fois, hein, surtout à Imola, à Monza. Monza et Nürburgring, hein, je pense qu'on aurait peut-être pu marquer un point. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Frenzen en tête du championnat, quand même. Quand même souligner. Schumacher deuxième, troisième Villeneuve qui est très loin. Allez-y, 4, pas mal aussi. Et nous, championnat constructeur, on est quatrième. Bon, honnêtement, il reste deux courses. Il va rester le Portugal et l'Espagne. Portugal, je vous le dis d'avance, hein. Bon, finalement, je fais la course. N'attendez pas à le moindre espoir, mais c'est compliqué. En revanche, RRS peut-être, on verra. Bon, en tout cas, on est tranquille, on devrait rester quatrième côté constructeur. Par contre, niveau pilote, ben, j'aimerais bien gratter la quatrième place à Alési, ça serait cool. Ce serait vraiment le meilleur des autres, en fait, hein, si on enlève Williams et Benetton. Et du coup, ben, comme je vous l'ai dit, prochaine course, le Grand Prix du Portugal, fictif, qui n'a jamais eu lieu en 97, hein, puisque la piste était considérée comme trop abîmée, et le circuit plus aux normes pour cette saison, mais bon, on va quand même le faire. Je vous dis à la prochaine pour la suite du championnat et l'avant-dernière course de l'année 1997. À la prochaine!